Allez, c'est reparti pour le deuxième match. Comme une merde. Non, on est bien. Allez, c'est donc toujours. Non, c'est deuxième. Non, c'est toujours premier tour. Premier tour winner. Ouais, c'est ça, ouais. Et on va attaquer. Donc là, ce sera Monsieur Rico qui va jouer donc son Bison du H-Kick ultime. Et contre Mantos, qui nous fait l'honneur de sa venue. Et qui joue donc. Urien. C'est ça. Allez, on se lance ça tout de suite. Et qui m'a confié tout à l'heure qu'il jouait que Urien. Ah bah, c'est déjà démarré. Ah bah, attends, par contre, on n'est pas du tout à jour sur ouais, le Merlet. Alors, on va vous rechanger ça vite fait, les gars. On est désolé. Ils ont commencé un peu trop vite. Donc là, on a Mantos. C'est ça. C'est SZ. SZ. Et du coup. Il y a donc contre pour l'instant, ça cherche. Il n'y a pas d'ouverture. Oui. Ah. Ko-o. Allez, Urien qui s'est enfermé, mais qui arrive à sortir du coin. Avance, le petit overhead qui ouvre. Oh là là. Allez, le stun, il va chercher le stun. Voilà. Allez. Et premier round pris par Mantos. Ouais, du coup. Ouais, bien joué, très bien joué. Non. Eh, sur Echo qui a pas l'air chaud là, pourtant des grands favoris. Ouais, ne je fais pas de soucis, je pense qu'il il va se réveiller à un moment donné. Ouais, ça va venir. Déjà, là, il a retrouvé son anti-air déjà, c'est une bonne chose. C'est ça. Du coup, extérieur tackle de Ryan un peu mongol. Allez, le petit dash avant qui passe à travers. Et qui rigole en plus de ça, il est fier. Il est content de son perso apparemment. Ça, c'est bien joué ça. Ah, là, le pif pour sortir du coin. Ça, c'est bien gardé, le Knipress X qui est bien skillé aussi de la part de Mantos. Pour l'instant, les joueurs qui sont à peu près égalités au niveau de la vie, voilà. Ça, le Bison qui va commencer, ah non, je croyais qu'il a commencé tout seul. Voilà. L'activation, bien sûr, classique, hein, glissade, V-Trigger, et ça se punit. Le pif. Je suis pas sûr que David, il a eu l'occasion de jouer contre beaucoup d'Urien après. Hein. C'est pas un il fait beaucoup. Ah, si, quand même, en enquête, on voit beaucoup. Ouais. Ouais. Si, il est assez populaire le perso. Allez! Un round partout de chaque côté. Juste vérifier un truc, parce que je sais plus si Mantos c'est qui comme ça. C'est SZ. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, la chope qui passe du côté de Mantos. Voilà. L'overhead. Oh là, le stun! Pop, pop, pop! Allez, hop! Est-ce que ça va tuer? Eh, voilà. Ça tue! Voilà. Ah, 0 pour Mantos! Mantos qui prend le premier point. Moi, je gagne pas là-dessus. Ah, il y avait deux ex qui ont voulu faire un petit chassé croisé aérien là, c'était joli à voir. Allez, deuxième match du coup. 1-0 pour Mantos. David qui va devoir se réveiller si. Bah, ouais, enfin qu'il sorte un peu les doigts là parce que. C'est le loser bracket qui l'attend là pour le moment. Ouais. Allez, l'anti-air bien trouvé de la part de Mantos. Oh là là, crush counter, c'est parti, ça confirme, ça enferme dans le coin. Ah, le chimie qui est bien passé. Ça y est, David s'est réveillé. Waouh, bien vu ça. Joli. La chimie. Ça y est, David il est dans le game, il est là, il s'est réveillé. Ah là là, la petite phase du saut vide. Allez, le petit pif qui passe. Ballot. C'est un vul ça au startup? De quoi donc? Il saute en l'air et il met un coup de boule. Non, c'est pas un vul au startup. David qui va chercher le trade, voilà, sur un normal, sur un MK classique. Allez, une balle de 1 pour Monsieur Rico. Ah là, c'est la grosse ouverture là. Ouais, ça va faire mal, ça prend 15% direct. L'overhead qui est bien gardé. Enfin, ouais. C'est pas un overhead. Et ça a l'air de compliqué, ça a l'air de compliqué de confirmer. Ah, joli ça. Allez. Je vais laisser mon ami Richard. Ça marche. Il va prendre ma place. Allez, ça va chercher le stun du côté de Mantos qui trouve le stun et qui logiquement devrait tuer. Et voilà. Alors, changement de commence à faire en plein match. Bonjour Fixen. Bonjour Richard, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Alors Rico qui est malmené, hein, là, il y a pas de match pour Mantos. C'est chaud. Ouais. C'est... Mais David qui a un rang du loser bracket là pour l'instant. Ouais, c'est chaud, alors qu'il est pourtant à un niveau très bon. Il était con David. On rappelle qu'il a tenu tête à Fudo au mix-up. Au mix-up, exactement. Ouais. Mais là, qui s'est malmené par cet Urien qui a l'air vraiment bon, qui piffe un peu hein, quand même. On va pas se cacher. Mais je suis pas convaincu qu'il ait l'habitude, faudra lui poser la question après, qu'il ait l'habitude du match-up Urien. Urien, ouais. On est d'accord parce que Urien a pris, est-ce qu'il... Voilà, le niveau foot 6, j'ai l'impression qu'Urien quand même, il a vraiment un très gros avantage. Là, c'est Rico qui prend l'avantage, ouais, qui est là dans le coin. Ah, mais pourquoi il recule, il a peur du pif, je pense. Le psycho-crusher qui presse. Oh, il confirme pas le moyen. La chope.
Ou c'était dangereux. Ouh, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Oh, petit reset, est-ce que c'est la fin? Il n'y a pas la super pour confirmer. Oh, le psycho crusher qui passe. Le psycho crusher qui passe. C'était chaud, c'était très chaud. Il y avait peut-être un reset qui pouvait arriver. Et du coup, David qui remonte un partout. De justesse. Hein, de justesse. Ouais, il a eu chaud. Hein. Il a frôlé le loser bracket. Mais il est là, il est encore vivant. Il est pas mort. Hein. On sait qu'il a le mental pour. On va voir comment ce dernier round. Il faut pas que Montos non plus il se repose sur ses derniers rounds. Il faut qu'il se facilise un petit peu quand même. Hein. Il faut pas qu'il se laisse abattre. Donc là, c'est Rico qui commence bien le round. Il a déjà perdu la moitié de sa barre, hein, Montos. Qui est pas très loin d'aller trouver le stun. Et voilà, c'est crush counter, il a bien vu. Je pense que c'est la mort. Non, pas encore. Il reste un tout petit truc, mais il a pas de barre d'ex, il peut pas piffer. Pourquoi il a reculé, on sait pas, mais voilà. Il prend quand même le round. Proprement. Rico qui se trouve dans une sale situation un match avant, qui maintenant est en balle de match du coup. Mais ouais, c'est ça. On voit qu'il a le mental, en fait, tout joue sur le mental sur le dernier round, c'est et ça. Ça a complètement changé le cours du truc en fait. Oh. La belle chope à trouver dans le dash. Le beau dash arrière pour éviter la chope du rien de Rico. Là, il y a le pressing du dicta qui commence. C'est un peu infini. On a. Peut-être qu'il cherche un peu trop le petit snap souris avec le dash avant. Ouais. Ah, c'est joli. Ah, il faut punir avec des lights, ça, par contre. Hein, c'est pas. Et le petit pif là du rien qui passe. Là, c'est la pressing du rien. C'est très très mauvais. Ouh, le petit relevé. Ah, oh. C'était dangereux ça. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Allez, il faut confirmer, hein, c'est stand MP. C'est chaud, là c'est chaud, là c'est rien qui se retrouve dans le coin. C'est Rico qui a peur du coin. Ouh, le crush counter là qui fait très mal. Non, il n'est pas activé le V-Trigger. Hein. Ouais, V-Trigger. Ouh là là, il saute, mais après la IJ. Attention la IJ, il y en a deux là, il faut pas faire ce qu'il veut. Ouh là là, ouh là là, c'est un ping-pong. Ouh là là, c'est un ping-pong, c'est joué. Ah putain, Roland Garros, terminé. Là, c'est balle de match pour les deux. Hein. Balle de match de côté, ouais, après un petit round de Roland Garros fait derrière Nadal. Ouh là, ça passe derrière avec le psycho crusher et la descente IX. Et c'est Rico qui trouve l'ouverture avec le coup de deux fois le pif. Non, stun. Non, ouais. Ça sent très très mauvais. Ça lui coûte le stun et c'est ce qui va certainement lui coûter la mort. En fait, Montos, il n'a pas analysé que Rico il allait vers derrière énormément pour bait le pif. Donc, c'est bien joué par Rico. Ah, c'est deux pifs. Salut Fixen, ça va? Ça va. Et du coup, c'est Rico qui prend l'avantage sur ce petit snap souris. En fait, c'est les deux pifs qui lui ont coûté le match. Salut. C'est ça. C'est les deux pifs qui lui ont clairement coûté le match. Salut. Salut. Ça va, merci. Ça, Dani? Ouais. Salut. Ok, du coup, 2-1 pour Monsieur Rico contre Mantos. Donc, très bon match, hein, c'était vraiment. C'était un beau match. C'était bien rythmé. Franchement, c'était un beau match. Il y avait des footies, il y avait du pif. Il y avait des beaux trucs. Bonne surprise ce Mantos, on verra ce qu'il prend en loser et on se retrouve juste après. Complètement.